cheminer chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveiller de ce qu'elles disent. Le dernier écrit du Nouveau Testament est le livre de l'Apocalypse de saint Jean. C'est par ce livre de l'Apocalypse, livre déroutant, livre de feu et de sang à l'image de notre monde, que s'achève la Bible, le livre des livres ou encore les saintes Écritures composées de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse, dont l'auteur semble bien être Jean, puisque c'est ainsi qu'il se présente dès les premières lignes de son livre, les théologiens et la tradition semblent d'accord pour attribuer ce livre à l'auteur de l'Évangile, le fameux disciple que Jésus aimait. Certes, le style des écrits est très différent, mais il est vrai que le message qui doit être donné l'est aussi. Ce livre et celui de Daniel dans l'Ancien Testament sont les seuls apocalypses de la Bible. Mais c'était alors un genre très courant dans le judaïsme. Dans un temps de crise, pour maintenir la foi et l'espérance des croyants, un auteur essaie de dévoiler le terme de l'histoire, d'écarter le voile, révélare en latin, apocalyptein en grec. Écarter le voile, donc, qui cache la fin des temps. Et cette révélation est à la fois pessimiste sur le présent, notre monde est sous l'emprise du mal non récupérable, et optimiste pour l'avenir. Finalement, Dieu sera vainqueur et recréera ce monde. L'auteur de l'Apocalypse de Jean écrit sans doute vers 95-100 et fait semblant d'écrire vers l'an 60. Il se nomme Jean, il se situe à Patmos, il se présente seulement comme témoin du Christ vivant. Apparemment, il est pessimiste sur le présent et il attend pour la fin des temps la création à neuf de notre vieux monde. Mais un chrétien ne peut être qu'optimiste. Il sait que le Christ est vainqueur et qu'il est déjà à l'œuvre dans le monde. Comme les prophètes, l'auteur essaie donc d'interpeller, d'interpréter l'histoire présente, d'y découvrir le sens caché. Révélation de Jésus-Christ, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er.